Creative stories. Hello, je suis Richard Saint-Etienne, fondateur de la Narrative Agency Épisode. Parce qu'on aime les belles histoires, avec plein de rebondissements, je vous propose d'explorer les trajectoires hors du commun d'entrepreneurs, cadres dirigeants, scientifiques ou artistes qui ont changé de vie ou en vivent plusieurs à la fois. Quels déclencheurs, quels enjeux, quels enseignements Autant de facettes à découvrir ensemble, et ça commence maintenant. Creative stories. Réussir à rentrer dans la famille hyper élitiste du cinéma, ne plus s'y sentir à sa place, en sortir, un peu esquinté, se retrouver et y revenir pour y favoriser l'inclusion et la diversité sur l'ensemble des métiers, prendre la parole pour faire bouger les lignes d'une industrie qui fait rêver, mais dont le verre du décor peut relever parfois du cauchemar pour un certain nombre de ses protagonistes. Salut Caroline. Bonjour Richard. On dirait un peu le voyage du héros, ton parcours, non <laughs> Non, je ne vais pas aller jusque-là. Je ne vais pas aller jusque-là, mais. Euh... Mais oui, je pense qu'il y, y a quelque chose peut-être de cinématographique. Alors, le voyage du héros, c'est une trame de récit qu'on retrouve, je le dis grossièrement, hein, mais de, de, de l'Odyssée d'Homère à Star Wars et qui est structurée autour de grandes étapes jalonnées d'épreuves qui vont amener le héros, le protagoniste, à changer le monde qui l'entoure tout en se révélant à lui-même. On mettra des sources dans la description. Wow. Et quand j'ai écrit ce truc-là, je me suis dit, mais c'est tout à fait toi. <laughs> ouais, écoute, je suis touché. Bah, écoute, en, en, en tout état de cause, je pense que les trajectoires, on n'y pense pas forcément quand on les emprunte. On a tendance à regarder parfois dans le rétroviseur et à se dire qu'effectivement, c'est jalonné d'étapes. Mais, mais merci, je suis touché. Bon, après, il y avait un écho facile avec le cinéma, mais euh, ça m'a. Voilà, ça, ça a paru assez évident. Tu débutes. Alors, je vais faire schématiquement. Tu débutes chez Warner, tu rejoins Studio Canal à la, à la grande époque, tu fais du théâtre en acting, tu montes ta boîte de pierre influence pour accompagner les distributeurs tu es appelé par le groupe SES pour développer comme une image qui a notamment pour mission de mettre en contact direct la création et les publics on va reparler de tout ça mais d'abord faisons peut-être un détour par le bouillon de culture de, de l'enfance pour toi c'est euh, c'est le cas de le dire je crois que tu grandis entre la France et les États-Unis est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, cette enfance et un peu les, les aspects culturels dont on a parlé qu'on a qu'on a préparé l'émission bah oui, c'est vrai que j'ai voilà j'ai des, des parents aficionados des États-Unis. J'ai notamment un papa qui est russe, russophone d'ailleurs initialement, et qui euh, qui avait une passion pour pour les, les États-Unis et surtout je pense une envie d'offrir à ses enfants euh, une perspective sur le monde un peu plus large que la moyenne. Lui-même a étudié à Moscou euh, dans les années 70-80 et a aussi étudié aux États-Unis puisque il était euh, il a fait Harvard au moment de la de la campagne de Kennedy donc aussi une belle époque donc je pense que ça donne un prisme un petit peu différent sur sur le monde de cette époque-là et donc il a toujours voulu que ses enfants déjà un ait la capacité de, de de vivre un petit peu partout dans le monde la curiosité aussi de de s'intéresser à à des pays des cultures différentes et voilà et donc on a on a porté ça et j'ai eu la chance de pouvoir vivre entre la région parisienne et et les États-Unis, et plus particulièrement donc à la base quand j'étais enfant le, le Vermont, qui n'est pas du tout l'État auquel on pense quand on, on parle d'une vie transatlantique, <laughs> mais voilà qui est un, qui, qui, qui s'avérait être l'État le plus démocrate et qui reste d'ailleurs l'État le plus démocrate des États-Unis puisque c'est la contrée de Bernie Sanders. Et, et d'ailleurs c'est pour ça que mon père avait choisi à l'époque ce territoire-là pour nous faire grandir un peu entre les vaches et les Ben Jerry's. C'est quoi ton tout premier souvenir L'image qui te vient là J'ai un souvenir d'être de, 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 assise dans le, dans le couloir et de regarder ma mère éplucher des carottes. C'est un de mes plus vieux souvenirs. Euh, effectivement, ça c'est un souvenir d'enfance, d'une de, maison simple, euh, où, voilà, avec, euh, avec une fratrie, avec, euh, avec une ambiance euh, voilà de, de pavillon français classique, somme toute. <laughs> euh, ta passion du cinéma, là, elle naît euh, pendant l'enfance alors on a un oui il y a ce, ce mythe qui est que la première fois qu'on m'a emmené au cinéma parce que j'ai un, un frère et une sœur qui sont bien plus âgés que moi qu'on 9 et 7 ans plus que moi et qui m'ont dit que donc ils m'ont emmené voir euh, Basile, le détective privé de Disney à l'époque c'était la sortie annuelle et que j'ai fait une crise de nerfs absolue euh, à la fin du, du film et que je voulais pas sortir parce que je voulais continuer l'expérience et d'ailleurs c'est marrant parce que la première fois que j'ai emmené ma fille au cinéma elle m'a fait à peu près euh, le même délire. Ça, génial. <laughs> Elle était au courant de l'histoire bah non, pas du tout. Mais euh, voilà, donc c est, c est... on m'a relaté. J'en ai pas le souvenir moi, mais j'ai le souvenir du film, euh, qui est pas mon premier souvenir, mais j'ai le souvenir du film. Mais en revanche, en revanche, voilà, l'histoire se répète. Et à quel moment tu prends conscience que tu aimes le cinéma au-delà du, euh, euh, du du souhait de rester, de pas vouloir, de pas vouloir sortir de la salle, pardon En fait, j'ai pas de souvenir où j'ai voulu faire ouais. autre chose. Donc euh, ouais. ça c'est. De là déterminer exactement ce que je voulais y faire, c'est vrai que ben, on manque un peu de perspective quand on est enfant sur l'étendue des métiers et des possibilités que représente une industrie comme celle-là. Et d'ailleurs même que c'est une industrie, donc on est souvent acté, axé plutôt sur, sur toute la partie artistique des, des métiers cinématographiques. Mais en tout cas, participer à l'élan et au groupe que peut être un film, je l'ai toujours porté. Déjà un, parce que j'ai un frère qui a toujours voulu faire ce métier-là et c'est mon grand frère. Et donc je pense que comme j'ai très complètement mon frère, pour moi le cool par par définition, c'était c'était de vouloir faire comme lui. Lui, je crois qu'il a découvert qu'il voulait faire ça en regardant Star Wars à la sortie en salle du premier. Tu vois, donc euh, donc euh, ça date euh, bah, à l'époque où je suis né. Donc euh, voilà, il n'y avait pas d'autres d'autres perspectives possibles, je crois. Ok, donc du euh tu t'es dit quoi qu'il arrive, je travaillerai là-dedans, en tout cas j'y participerai. Et tu m'as dit en préparant notre échange que tu, dis, que tu découvres plutôt une âme entrepreneuriale, plutôt que comédienne, et que tu te fixes l'objectif d'aider les artistes à faire leurs films. Ça se passe quand ça Ce que je disais juste avant, c'est que l'appréhension des métiers cinématographiques, elle est classiquement orientée vers l'artistique au départ. Donc comme mon frère rêvait d'être réalisateur, petit, je me suis dit, bon, ben, je vais être actrice, comme ça je serai, je serai dans les films de mon frère et puis je voyais pas ce qu'on pouvait faire d'autre, de toute façon donc euh, donc voilà et je pense que ça ça a été en filigrane euh, de assez longtemps dans l'enfance la perspective de, de basculer de de l'autre côté elle a été un peu plus tardive déjà un ben bah, il a fallu que je prenne des cours de théâtre et des cours de théâtre euh, un peu professionnels pour me confronter à ce que c'était euh, il a fallu que je tourne dans des films euh, etc pour pour voir un petit peu ce que ça représentait alors déjà bon la première chose c'est qu'il y a une inertie dans le tournage qui est quand même assez puissante, c'est-à-dire que pour les comédiens, c'est-à-dire qu'entre les prises, il se passe voilà, quand même pas mal de temps. Et je ne suis pas quelqu'un euh, qui, qui suis à l'aise dans, dans, voilà, dans, dans l'attente, hein, pour dire ça joliment. Et puis aussi, tout simplement, je me suis rendu compte un peu plus tard que je n'étais pas très bonne, en fait. <laughs> Trop consciente de moi-même, voilà, que, que je ne m'accomplissais pas franchement artistiquement là-dedans. Donc voilà, c'est là qu'il y a eu bascule. Tu t'es demandé, du coup, voilà, quels sont les autres type de métier euh, et ce sur quoi je pourrais me positionner. Oui, voilà. ouais, toujours dans une dynamique de, de, ouais, de travailler en groupe ouais. voilà, et, de, et de trouver ma place et d'appartenir à ce groupe créatif qui permet de porter un projet jusqu'au bout. Et c'est le, le côté équipe en fait, qui m'a porté à ce moment-là. Ouais, c'est intéressant. Bon, on va y revenir après, je pense. Euh, donc, ouais, tu continues tes études, tu fais une prépa, imagine, tu rejoins une école de commerce. Et euh, durant une année de césure, là, tu as l'occasion de rejoindre Warner. En distribution, tu nous raconteras ce que c'est, et tu, c'est ta porte d'entrée dans le cinéma, et tu commences avec Harry Potter. Ouais. C'est cool, non Alors oui, alors c'est oui, c'est hyper cool, euh, c'est hyper cool à raconter. Enfin, je veux dire quand on faisait des apéros de stagiaires euh, euh, avec mes potes de l'EDEC à l'époque, parce que j'ai fait l'EDEC à Lille. Euh, J'avais toujours celle toujours qui avait des trucs un peu marrants à raconter parce que en plus euh, gérais pas mal les avant-premières etc donc je faisais des, des belles rencontres. Je pense que la première année où j'ai bossé j'ai rencontré Brad Pitt. Enfin c'était vraiment. Euh... C'est plus sympa qu'un voilà. cabinet de litre. Oui oui non non c'est sûr. Et c'est vrai que quand euh, j'ai réfléchi à la façon où je pouvais justement rentrer dans le dans le dans le système dans le sérail la distribution c'était un métier que je découvrais complètement. Il y avait des opportunités de stage euh, justement quand j'ai fait ma césure et globalement il y avait il y avait un voilà, une alternative assez franche, c'était soit tu faisais euh, du marketing, et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire soit tu, tu, tu travaillais en faire en sorte que le film rencontre son public, soit tu travaillais en contrôle de G, en fait. Tu en contrôle de gestion euh, pour ces grosses boîtes-là. Et j'avoue que je me suis rendu compte assez vite que les perspectives en marketing, en tout cas à l'époque, euh, te permettaient d'avoir une visibilité et un éventail des possibles après qui était quand même un petit peu plus large. Et tu restes sur le plan créatif aussi. Et et es tu étais plus en équipe, alors que le contrôle de gestion, tu peut-être un rôle qui est un peu, un peu différent. Oui mais il y a quand même il y a une au, au, a posteriori je me dis qu'il y a quand même une, quelque chose de plus de peut-être de plus concret dans le dans dans mm -hmm. dans le fait de, de de permettre au film de de se de faire de en fait et que j'avais que ça m'est complètement passé à côté dans ma grande superficialité de jeune adulte et que je m'en suis peut-être pas rendu compte à ce moment-là, mais il n'y a, a pas du tout de regret, parce qu'encore en, une fois, c'était une très belle opportunité de commencer chez Warner comme ça. Et effectivement, il y a une démarche, il y a, y a un côté un peu jeune, d'équipe, de, 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 de très glamour de, de, de cette porte d'entrée-là qui m'avait attiré. Et en réalité, ben, on n'est pas tant dans le glamour que ça au final. Enfin, C'est assez marrant. Oui, après le, les, les, justement, tu me tu m'as dit qu'à un moment tu ouais, étais hyper contente d'en être, parce que déjà faut franchir ce, ce portail-là, euh, rentrer et que du coup ça génère aussi des comportements euh, normatifs et des injonctions et euh, on en reparlera après, tu vois dans la, dans la deuxième partie. Mais tu me dis qu'assez vite tu t'interroges sur comment euh, l'industrie traitait les gens. Est-ce qu'il y a un événement déclencheur euh, où ça se construit dans le temps? Il ah, y a une myriade de micro-agressions euh, quotidiennes qui font qu'à un moment donné, effectivement, on se questionne. C'est est-ce que, est-ce que, on doit attendre l'autre jour perpétuellement pour, euh, pour. Euh pour en être quoi parce que voilà c'est toujours cette phrase qu'on répète que qui est un peu du, du type du diable s'habille en Prada c'est-à-dire qu'en fait si toi tu veux pas le faire il euh, y a 200 personnes derrière toi qui veulent le faire en fait et ça c'est 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 ce que je considère comme des micro-agressions du quotidien mais oui j'ai un souvenir ému à l'époque d'avoir ma première semaine chez Warner d'avoir commencé par emballer des t-shirts c'était pour la sortie de Superman Returns et d'avoir emballé des, des des caisses et des caisses et des caisses de t-shirts pour des des, des, euh, des jeux concours, tu vois qui partaient partout euh, en France et de me trimballer avec mes cartons que j'étais j'étais coincée dans un cagibis sans fenêtre toute seule à faire mes cartons et puis de passer les portes avec 12 cartons personne ne te tient la porte pour descendre ça au, au au service courrier et je me disais ah ouais en fait on est on est vachement loin de de ce que je est-ce que est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça le milieu mais surtout, est-ce que c'est ça le monde du travail en fait Et est-ce que il faut perpétuellement faire tes preuves pour ouais. ne pas souffrir Déjà, il y avait, je commençais à avoir ce, ce questionnement-là. Voilà. Ça fait quoi un distributeur de films Alors, un distributeur de films, en fait, en synthèse, c'est celui qui fait en sorte que le film euh, rencontre son public. Donc, euh, c'est euh, celui qui fait en sorte que, ben, le film physique, c'est-à-dire à euh, l'époque les bobines, mais maintenant c'est des, des CP, c'est des disques durs. Euh, numérique euh, arrive dans les salles et soit placé dans les salles de façon à ce que le plus de gens possible puissent les voir et optimiser puisqu'on sait qu'en France il y a quand même 12 films qui sortent euh, par semaine minimum donc euh, bon faut, voilà faut faut organiser tout ça et puis ensuite faire en sorte que le public soit au courant que le film sorte. Alors évidemment, on parlait d'Harry Potter tout à l'heure, oui, ça, enfin, il y a une certaine attente. On peut créer du buzz très en amont sur ce genre de sortie. Et, euh, et chez Warner, on est vraiment dans l'optimisation pour le plus, que le plus, le plus de monde aille le voir. Mais même pour des plus petites sorties, il y a quelque chose de très stratégique à faire en sorte que les gens soient au courant, les bonnes personnes soient au courant que le film sort et qu'il est disponible dans telle 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 salle. Et puis le distributeur, c'est aussi celui qui est garant en fait de la distribution des revenus du film à ceux qui l'ont fait. Donc c'est quand même une responsabilité qui est assez importante. Et là on en revient au contrôle de gestion, mais il y a, voilà, c'est pour ça que en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a une dimension aussi de responsabilité du distributeur qui est, qui est, qui est assez intéressante. Puis c'est très artisanal le métier de, de distributeur, parce que encore aujourd'hui, c'est le lundi que le service des ventes des distribes passe des coups de fil à chacune des salles pour être sûr que la copie est bien placée dans la bonne salle et qu'elle va rester la semaine suivante, même si il y a Mission Impossible qui sort, tu vas me garder ma copie parce que voilà. C'est un peu de la négo, c'est quelque chose de proche du, du, du marché à la criée euh, le lundi chez les distribs. Ah, on ne se rend pas compte parce que ça a l'air hyper industrialisé, justement, mmh. hyper processé. Comme tu le dis, il y a une grosse responsabilité, mmh. mais finalement, ça reste du euh, human to human. Quoi. Bah ouais, en fait, il faut, tu peux pas faire l'abstraction la, la, de cette, euh, cette dimension-là. Et je pense que ça c'est lié aussi à l'exploitation en salle. Enfin, peut-être on y reviendra, mais euh, peut-être qu'avec le streaming on perd cette dimension-là. Alors que, voilà, la salle ça reste quand même une expérience collective et ça reste de l'humain et ça reste quand même comment tu fais en sorte que des gens rentrent dans cette salle et décident de voir ton film et pas un autre. Tu rejoins Studio Canal en 2008. Tu bois sur quel projet alors c'était euh, en 2008, c'est le c'est le moment où le studio Canal est vraiment appris une dimension internationale, enfin du moins européenne, et avec l'événalité de devenir le premier, le plus gros studio européen de distribution pour concurrencer justement des, des Warner ou des Universal de l'époque, au moins sur notre territoire. Et du coup, je travaille euh, je travaille sur à la fois sur des films franco-français parce qu'on est quand même sur une fin de de période où ben on est voilà, on, on, on du, du, du de par à tout va. Euh, j'ai bossé sur, euh, enfin voilà, sur des, du, du film français, de la comédie française. J'ai bossé, mais j'ai bossé aussi sur des projets assez ambitieux comme euh, comme les du du bouchareb tu vois par exemple. Donc des films qui qui, qui allaient à Cannes, parce que Cannes c'était vraiment le gros gros rendez-vous de de Canal à l'époque, puis toujours d'ailleurs. On s'en souvient, qui, qui ne voulait pas aller aux soirées Canal Voilà. On regardait derrière notre écran, tu vois, entre deux intermèdes nulle part ailleurs. Ouais, ben, ouais, ben voilà. Moi, j'avais la chance de distribuer les places pour, pour ces soirées-là. J'avais beaucoup de copains pendant à peu près un mois. Et après, <laughs> tout le monde ne pouvait plus me blairer pendant trois semaines après, parce que je n'avais pas donné les places aux bonnes personnes. C'était un moment un petit peu... Un petit peu sympa de ma vie, mais euh... <laughs> mais c'est non, c'est des souvenirs, c'est des souvenirs marrants. Et j'ai travaillé aussi sur des, des projets euh, beaucoup plus internationaux avec euh, des franches des créations de franchises euh, avec les aventures de Samy. cette petite tortue qui voyage à travers le monde. Si tu as des enfants, peut-être tu, tu as vu Samy. Mes filles l'ont vu. Ouais, ben voilà un super beau projet d'animation qui était en plus très ambitieux du point de vue technique à l'époque. puis travailler sur un film d'animation, c'est aussi assez particulier dans l'approche parce que c'est un temps beaucoup plus long. Et, euh, et c'est voilà, c'est une démarche un petit peu différente, euh, mais aussi euh, sur des projets comme euh, Tinker, euh, Tinker Taylor Soldier Spy, qui était un film avec, euh, avec Gary Oldman euh, à l'époque. Enfin c'est voilà, il y avait des, des, des gros projets internationaux en même temps. Donc j'ai fait toute cette transition. Euh, et puis moi, je travaillais au marketing international à l'époque, euh, qui est vraiment la partie où on travaille à faire en sorte que des films rencontrent leur public, mais aussi à l'étranger sur des territoires donc ça demande une démarche tu vois là on en revient à l'enfance ça demande une démarche de, de gymnastique de culturelle qui est, qui est assez intéressante d'aller réfléchir à comment un italien comment un russe comment un, un mexicain va avoir envie qu'on lui parle du film pour lui donner envie d'aller le voir et ça, c c chouette. Comment tu fais ça Parce que tu as des repères, toi, parce que tu es un peu multiculturel, mmh. mais en même temps, tu n'as pas forcément les, euh, toutes les données euh, qui te permettent d'appréhender les choses. Est-ce que tu as les gens sur le terrain qui te, qui te disent, attends, peut-être prends cet angle-là, ou euh, ah tiens, ça, ça ça va marcher bah, C'est complètement ça, en ouais, fait. C'est ouais. juste de dire justement d'avoir euh, l'humilité de dire que tu sais pas, et d'aller à la rencontre de l'autre pour définir à quel endroit tu t'es planté. Par exemple, sur une affiche, c'est ça, c'est passionnant à regarder. Si tu regardes les déclinaisons des affiches en fonction des, des, des territoires.. Parfois, tu vois des, 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 des affiches, je te dis, mais en fait, c'est une telenovela, euh, tu vois, euh, argentine ou ouais. brésilienne. Et euh, sur un film, je me souviens de, j'avais travaillé sur Chloé de Atom et Goyan avec Amanda Siffried et Julianne Moore. Et je me souviens que les déclinaisons sud-américaines étaient surréalistes pour nous complètement. Et le fait d'accepter qu'en fait, tu ne sais pas, c'est déjà, en fait, la, la, la meilleure démarche. Les titres aussi, hein, changent beaucoup. Je ouais. que tout ça fait partie des adaptations culturelles. Bon, tout ça, c'est côté un peu, on euh, peut en parler longuement, mm. mais c'est côté plutôt euh, cool, un peu paillette, ouais. tout se passe bien. Mais là là aussi, il y a un envers du décor. Et tu m'as dit que tu avais euh, parfois peur d'être seul dans l'ascenseur, euh, que tu vois à Cannes, au-delà euh, des, des, des aspects festifs, des comportements euh, que tu juges inadaptés pour être poli. Tu vis, tu vois, et tu, tu ressens, et tu es témoin aussi d'une maltraitance ordinaire. Qui est présente dans le milieu mais vraiment à tous les niveaux. Ouais, tu m'as parlé d'un management toxique, mmh. euh, d'ailleurs, euh, voilà, qui se reproduisait. Tu me dis qu'on t'envoyait en punition dans la chambre d'Harvey Weinstein. Mmh. Euh, alors qu'à l'époque on savait ce que c'était, comment tu comment tu te prépares psychologiquement à rentrer dans la chambre d'Harvey Weinstein. Bah à l'époque, je, me... je tiens à préciser quand même. Que tout ça est extrêmement anecdotique en ce qui me concerne, parce que je ne suis pas rentré dans la chambre. J'ai déposé, <laughs> déposé le, j'ai le, déposé le film, mais je n'ai pas eu à rentrer dans la chambre d'Harvey. Et donc, il ne m'est rien arrivé. Et donc, je, je fais pas de l'appropriation d'une, bon. d'un sujet dramatique. En revanche, oui, c'est un risque qu'on m'a fait prendre, dont j'ai pris conscience moi a posteriori, parce que à l'époque, euh, c'était pas chose connue, euh, euh, notamment pour les, les, les jeunes qui rentraient sur le marché. Je pense que c'était connu pour les. les... Les seniors. Ouais, les seniors. Euh, mais c'est juste que c'est assez symptomatique, en fait, d'un mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, je, je flèche pas ça directement sur, sur la jante masculine, parce qu'en fait, il y avait il y avait une forte dimension de reproduction aussi chez euh, les femmes de la, de, de, de la génération d'au-dessus, qui était de dire, bon, moi, j'ai traversé ça, je l'ai vécu à la dure, donc tu vas faire pareil. Et aucune démarche de facilitation. Euh, pour, que, pour que justement euh, l'appréhension du monde du travail et de l'industrie soit un peu plus euh, douce donc oui moi j'étais témoin de plein de choses et je suis loin d'être la seule euh, sur les marchés notamment parce que je, je voyageais beaucoup sur les marchés euh, euh, internationaux donc, il y a Cannes il y a Venise il y a Toronto il y a, il y a Los Angeles etc et donc il y a ce côté un petit peu euh, ben, délocalisé qui fait que les gens se sentent pousser des ailes euh, et font un petit peu n'importe quoi euh, beaucoup d'argent beaucoup de paillettes euh. Qui fait que que voilà j'étais témoin de de de, de façon de faire qui m'ont déplu mais dans le quotidien aussi il y avait euh, toutes ces agressions quotidiennes je te parlais de l'ascenseur tout à l'heure Je peux pas citer un grand producteur français mais je sais que moi et mes collègues on était féminines on était euh, on, on allait à deux le chercher je me souviens dans le hall de, de Canal parce qu'on avait peur de remonter toute seule dans l'ascenseur avec lui et donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui étaient des, des acquis qui deviennent en fait dans ta, ta logique un petit peu comme si t'étais dans un jeu vidéo et que tu devais tu vois c'était dans Mario et tu dois sinuer entre les obstacles et ça devient ça devient ta vie et ça devient logique et tu sais même pas comment tu devrais faire autrement parce que parce que c'est la vie en fait donc euh, voilà euh, jusqu'à 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 ce que je casse en fait et il a fallu que je casse pour regarder en arrière et me dire euh, bah non en fait c'est ça peut être autrement et on peut détourner le, la mécanique de fonctionnement pour en faire quelque chose d'autre. Mais il a fallu qu'il qu y ait un stop dans ma carrière pour que je me dise en fait, non, c'est pas normal et je veux que ça s'arrête. Il y a une phrase que tu, euh, tu m'as dit et que j'ai mm. vu que tu l'as euh, citée quelques fois. Euh, je me permets de la, de la dire. Ouais, c'est la différence euh, entre un super héros et un super vilain. Mm. Ils vont vivre des trucs euh, aussi durs l'un que l'autre. Mais le, le, le super vilain, il va vouloir euh, faire payer aux autres ce qu'il a vécu, alors que le super héros, il va faire en sorte que, euh, que les autres ne vivent pas la même, euh, mmh. la même chose. Oui, c'est une analogie que j'aime beaucoup parce qu'en fait, oui, certes, c'est très manichéen et l'univers des comics, il est très, très, très manichéen, mais en réalité, c'est ça transpire vraiment de, de toute ma démarche d'aujourd'hui. Je pense que la bascule, elle s'est faite à ce moment-là. Donc tu pars de, de chez Canal. Là, tu fais du théâtre mmh. pendant un an, donc tu retrouves l'acting. Mmh. Et tu m'as dit qu'il y avait une, une grande affection pour les comédiens qui t'ont mis dans la réalité du présent. Mmh. Une sorte de thérapie, en fait, que tu fais en groupe, là aussi. Mmh. Ouais, c'est une forme de thérapie parce que, parce qu'à l'époque, je savais déjà que je ferais pas ça. Donc il n'y avait pas d'enjeu. Donc je me suis mis dans quelque chose, euh, voilà, il y avait, léger. voilà, de léger. Euh, J'étais avec des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi et qui donc qui étaient qui étaient un plein de rêves et beaucoup moins, euh, comment dire, qui étaient encore dans un optimisme ben, que je souhaite retrouver aujourd'hui d'ailleurs. Et puis euh, voilà, il y avait quelque chose de festif finalement et, euh, et de léger et ça m'a permis de ça m'a permis de rebondir. Donc moi ouais, j'ai une, une grande affection pour les pour les comédiens. Même si je n'en serais jamais une. <laughs> J'ai confirmé que j'étais pas bonne en plus. Tu crées ta boîte après ça, ouais. Smoke Agency. Ouais. Ça fait quoi Smoke? Smoke, c'était initialement prévu pour accompagner effectivement les projets de films sur les, sur les marchés, sur les festivals, comme ce que je faisais avant, mais en indépendante, avec l'illusion que, que les codes seraient différents si j'étais ma propre chef. En tout cas, l'incapacité totale de revenir dans ce que j'appelais à l'époque la World Company, donc la grosse boîte la grosse boîte qui te broie avec euh, avec euh, avec tous ces mécanismes euh, qui, qui m'avaient traumatisé en fait et puis au final euh, on est beaucoup venu vers moi pour gérer plutôt tout ce qui est dimension événementielle autour des sorties de films donc euh, des avant-premières des soirées etc qui était toute la partie un petit peu glamour de de ce que je faisais chez Canal puisque je pilotais ben déjà j'étais responsable aussi des VIP des déplacements des VIP sur les marchés et aussi de l'organisation des soirées donc euh, mais j'avais complètement envie de sortir de ça donc j'ai j'étais missionnée pour faire beaucoup plus d'événementiel et au final c'est pas forcément ce qui me tentait mais c'est ce, ce avec quoi j'ai gagné ma vie hein, pendant pendant quelques années. J'ai l'opportunité de revenir euh, de revenir dans le monde du salariat d'abord avec une grosse mission euh, au RIDMIDEM euh, qui pilote le Mipcom, MIPTV, qui sont les deux plus gros marchés télé euh, en France mais mais d'ailleurs dans le monde parce que c'est des, des gros gros marchés. Et puis après de, de rejoindre une, une autre boîte, une, une PME. Euh, mais parce que je pense qu'en fait, euh, déjà, c'est encore une fois assez manichéen, mais je me suis dit à ce moment-là, les grosses boîtes c'est pas fait pour moi. Euh, L'entrepreneuriat, euh, je sais pas si je suis capable euh, sur le long terme. J'ai fatigué. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux euh, avec une boîte à taille plus humaine Voilà. Sonis, ouais. donc, qui est la PME leader de l'affichage ouais. depuis voilà, une, une trentaine d'années. Et là, tu as une, une équipe euh, dont, ouais. tu te, dont tu t'occupes. Certaines ont du mal à accepter d'ailleurs qu'une une jeunette par rapport ouais. à eux, parfois les, les pilotes. Tu nous racontes un peu l'expérience bah, C'est une, une, une super expérience, parce qu'en fait, euh, là, on revient encore à quelque chose de de, finalement, assez industriel, c'est vraiment un pas de côté par rapport, euh, par rapport à, à tout l'aspect glamour du cinéma, puisque bon, voilà, là, je travaillais dans une zone industrielle, euh, à côté d'un stock d'affiches, euh, au fin fond de, de des Ulysses, euh, je mettais euh, plus d'une heure à, à aller bosser tous les matins. Et donc on était dans quelque chose de très cartésien. Donc en gros c'était l'acheminement des affiches, des bandes annonces, euh, de tout le matériel promotionnel autour des films dans les salles de cinéma, mais toujours dans la dynamique de faire en sorte que les gens aillent mmh, voir les mmh. films en fait. Hein. Et c ça c'est du, du routage en fait oui. de euh, d'asset où il crée aussi, oui participe à créer les bandes annonces ou les affiches. Non non c'est vraiment ouais. que ouais, du routage. Ouais. Non, non on est vraiment très éloigné de la dimension artistique. <laughs> Moi, ce qui m'avait attiré dans ce job-là, c'était déjà la dimension managériale, parce que, justement, dans toute ma, ma réflexion sur, sur comment on change les choses de l'intérieur, je me suis dit, mais, Comment voilà, comme que le management c'est quand même au cœur de tout ça. Puis j'ai été formée à ça, donc à un moment donné, il faut bien que je m'y confronte. Et j'y suis allée, euh, j'y suis allée de façon, comment dire, un petit peu pas puérile mais immature, euh, en me disant ouais, je vais changer le monde, ça va être super. Et, et sans prendre conscience que voilà, il y avait le chantier dans, dans cette dimension-là hyper hyper vaste et que et qu'il y a plein de choses à inventer, mais qu'en même temps, il faut, faut y aller avec des pincettes. <laughs> elle est un peu à la truelle et donc voilà donc une expérience hyper euh, hyper enrichissante du point de vue humain mais toujours euh, toujours ces agressions du quotidien toujours cette euh, cette prise de conscience que que, que que cette industrie a des problèmes que que ouais, parce que là tu, tu l'abordais par plusieurs ans ouais. déjà et tu te rends compte que tu retrouves les mêmes euh, les mêmes ouais. Mêmes ouais. sujets quoi. Ouais, ouais, ouais je retrouve ouais. je retrouve à chaque fois les mêmes sujets ouais. euh, je suis très très à cet endroit là très très confrontée à ma féminité donc, euh, c'est-à-dire bah -à, à, à ce que c'est que de manager quand on est une femme, à ce que c'est que d'avoir euh, des collègues managers euh, hommes de plus de 50 ans mmh. quand on est euh, une femme de 32 ans, euh, à tout ce qu'on appelle aujourd'hui le mansplaining, le voilà. et, et, et donc, du coup, c'est vraiment là que j'ai pris conscience que j'avais envie de lutter pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes dans notre industrie et que ça ça pouvait se positionner à plein d'endroits différents c'est-à-dire que là j'arrivais à un stade où j'avais vu tellement enfin j'avais vu plusieurs postes euh, j'avais un éventail assez large qui me permettait de me dire ouais ok donc là j'identifie qu'il y a quand même certaines difficultés et... et il va falloir réfléchir à quel chantier on s'attaque pour les régler quoi ouais, donc il y a une vraie volonté une dynamique là qui t'anime il dit, attends, je veux faire bouger les choses, mmh. je vais les changer, comment, comment je peux faire mmh. En 2017, le groupe SOS te contacte, ouais. groupe SOS qui est un, un groupe associatif mmh. euh, dont historique, hein, dont tous les bénéfices en fait générés sont réinvestis dans les projets impact. Ils viennent de racheter comme une image, mmh. dont tu vas nous parler, euh, et ils viennent te chercher. Qu'est-ce qui te fait y aller là bah là, ce qui me fait y aller, c'est que on est en 2017, comme tu dis, et donc 2017, c'est le c'est le mitou. Donc euh, là, il y a vraiment il euh, vraiment un élan qui est, qui est, qui est puissant euh, et un élan féminin qui est puissant sur la question de la prise de parole des femmes, alors sur, sur des aspects dramatiques et, et criminels, hein, mais euh, mais qui sont quand même on sent une impulsion de qui, qui qui fait une bascule de paradigme sur la façon dont les gens voient l'industrie et sur les choses la façon dont les choses doivent, doivent changer euh, dans à laquelle moi j'ai envie de prendre part euh, voilà et j'étais déjà en train de réfléchir à comment je pouvais faire ça donc euh, c'était en m'affiliant à un certain nombre d'assos qui commençaient à lutter je parle du collectif 50 50 par exemple mmh. et donc là c'est un peu euh, avec l'arrivée de communimage c'est un peu une, une fenêtre ouverte sur cette sur cette possibilité là. Euh, donc c'est un projet qui qui naît euh, qui naît vraiment à ce moment-là. Alors comme une image, faut savoir, que ça existe depuis 2010. Mais euh, le rattachement groupe SOS, donc qui date de 2017, euh, c'est vraiment ce qui lui a donné son impulsion euh, d'impact, donc de de, de, de tiers-lieu liés au cinéma, mais euh, mais avec une démarche d'impact. Euh, initialement, euh, comme une image, c'était euh, c'était un squad d'artistes dans lequel avait commencé. Euh, des gars comme comme le collectif courtrage mais dont c'était le premier bureau de prod à l'époque et qui commençait à se structurer euh, de façon un peu plus sérieuse euh, au moment du rachat euh, par SOS. Mais je sais pas, est-ce que tu veux qu'on parle du modèle de commune image tout mais, de suite Mais euh, on va <laughs> on, on va en parler mais euh, déjà le déclencheur, qu'est-ce qui te fait y aller Tu es dans quel état d'esprit ouais. quand tu y arrives Voilà, qu'est-ce que tu rencontres quand tu quand tu t'y trouves et tu te dis euh, je veux construire une safe place et mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Est-ce que euh, pour faire ça, avec ce que tu as comme données en arrivant, mmh. qu'est-ce que tu l'as changé Tout. <laughs> non, pas tout, c'est pas vrai. Non, mais il y avait quelque chose de, de très vertueux à euh, une image, c'est effectivement tout le monde avait le droit à, à, à la prise de parole et que c'était, y avait un, une dimension collective qui était assez forte, qui était désorganisée. Et voilà, qui, qui, qui demandait à ce qu'on mette un peu les mains dans le cambouis, mais qui était y avait, la dimension initiale était était, était très bonne. Mais il y avait un côté un peu guérilla euh, punk à chien. Euh, ils vont m'excuser si je dis ça, mais ils se reconnaîtront. Il y avait un côté un peu un peu comme ça. Cinéma guérilla qui a permis de lancer plein de projets assez fabuleux, mais qui, qui nécessitaient un peu un passage à l'échelle pour faire en sorte qu'on qu'on qu puisse accompagner encore plus de projets, encore plus de gens. Alors comme une image, déjà c'est un lieu. Ouais. C'est euh, grand, non C'est ouais, <laughs> une ancienne usine qui fait 2700 m2, ouais. qui est située à Saint-Ouen, donc à côté de la mairie de Saint-Ouen, métro mairie de Saint-Ouen, ligne 14, on a la chance d'être bien desservi maintenant, euh, qui, euh, qui est ancien, une ancienne usine Fenwick, euh, les chariots élévateurs, et euh, qui a été réhabilitée dans un lieu assez, euh, assez magnifique, qui a, qui a une âme, donc je vous invite à venir découvrir, parce que c'est ouvert au public, et qui a été réhabilitée exclusivement par des décorateurs de plateaux, donc euh, qui en ont fait un lieu... Euh, voilà, assez fabuleux, euh, en mix entre une maison de campagne euh, de famille des années 60 et, euh, et, et un lieu assez technique euh, qui accueille euh, voilà tout le cinéma français, enfin, du moins d'Île-de-France. Okay. Tu as une préoccupation d'ailleurs tu le dis, hein, venez, c'est ouvert. Mmh, mmh. euh, Ta préoccupation qui est de rester connecté au public est plutôt assez large, euh, parce qu'il y avait peut-être une, euh, une dimension peut-être plus hauteur euh, mmh. quand, quand tu es arrivé, qui est pas perdue. Mais euh, toi, tu veux vraiment rester connecté au grand public. Pourquoi c'est important pour toi Parce que je pense que c'est ça qui est vertueux et que, et que en échangeant avec, euh, avec, les, avec les artistes que j'ai pu, que, que, que pu côtoyer, euh, la confrontation avec le public, elle est assez centrale pour justement. Euh, rester dans le vrai déjà artistiquement et puis ça remet les choses à plat aussi c'est-à-dire que quand on parle de népotisme parce qu'on a parlé beaucoup de, de voilà des népo babies etc je pense qu'on se trompe un petit peu de de, de sujet l'idée c'est pas de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reproduction sociale il y en a dans toutes les industries en revanche euh, faire un appel d'air ça passe aussi par faire en sorte que euh, tout le monde partage le même niveau d'information et que donc euh, bah, le grand public puisse savoir que ce soit pas si nébuleux que ça, et que le grand public puisse savoir comment on fait un film, euh, qu'est-ce que ça signifie, et que ce soit aussi accessible finalement que d'apprendre à faire du pain pendant le Covid. Mais je, 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 je fais une blague, mais en fait c'est d'universaliser suffisamment le process pour que les gens se sentent en capacité de de faire partie de et susciter des, susciter des vocations. Ouais susciter des vocations sur un territoire en plus qui est pas anodin parce que la seine saint denis c'est c'est euh, déjà c'est le département le plus jeune de france euh, donc donc logiquement on s'est adressé spécifiquement à la jeunesse et puis aussi euh, aussi parce que parce que c'est un territoire qui est lié au cinéma déjà la seine saint denis puisque tu sais c'est le territoire de Méliès, c'est le territoire. Moi, bon, je ne veux pas citer la, la, la cité du cinéma parce que c'est moyen aligné avec euh, avec euh, voilà ce que je représente aujourd'hui. Mais donc euh, donc c'était j'ai un peu perdu le fil. Là, je crois. Écoute, on était sur l'implantation de Community images sur son ouais. territoire ouais. Et, euh, et la porosité avec ouais. les différents publics. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, oui, le, le, nous on a, on a pignon sur Rue, euh, on avait un restaurant qui est ouvert à tous. Euh, Hein, on en parlera peut-être un peu plus tard et, et donc on a ces portes qui sont ouvertes sur la rue mais euh, mon, ma frustration quand, euh, quand j'ai pris des rênes de image, c'était que, que en fait le public qui passait devant ne se disait pas tiens on peut passer les portes pour aller voir ça arrivait de façon très très ponctuelle et sur notamment les jeunes parce qu'il y, y, voilà, y a pas mal de gamins qui traînaient dans le coin, il y a des bars il y a des quartiers où il y a des quartiers où les, les gamins squat en bas dans le coin et, et il ne se disait pas, tiens, il se passe des choses ici qui me sont accessibles. Et donc il y a eu tout un travail de fond qui a été fait pour faire en sorte que, ben, justement, ce soit un lieu de fabrique qui soit ouvert au public. Et qu'on aille au-delà de juste euh, ce format descendant qui est l'écran, etc., qui est un fabuleux outil de, 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 de discussion et de dialogue, qui est, qui est le cinéma et qui est l'image, mais qu'on rentre vraiment dans, dans la démarche de fabrication. Mmh. Pour que, justement, tout le monde se dise, tiens, en fait, si j'ai envie, je peux le faire. Et voir tous les métiers. Ouais. Parce que tu as. Euh, alors, euh, je, je fais une petite incise sur les, euh, les femmes, parce que tu as fait un poste hier ou avant-hier où tu dis qu'à Hollywood, les femmes représentent, je reviens sur les femmes, mais mmh. on va ouvrir à toute la diversité, bien sûr, représentent seulement 33% des personnages des films en 2022. Elles ne sont que 37% à avoir des rôles parlants contre 63% des personnages masculins. 80% des films incluent plus de personnages masculins que féminins. Et en 2019, sur 100 films. En France, hein. au plus important budget de production, sans le film ayant réalisé le plus d'entrées en salle, les femmes ne représentent que 39,7% des personnages à l'écran. Bon, sur les femmes à l'écran, on n'y est pas encore. Mais euh, ton point, c'est justement la représentativité, à doit être uh, sur tous les maillons de la chaîne. Mm -hmm. euh, et c'est ça comme une image, en fait. C'est montrer la diversité des métiers, peut-être faire gagner du temps aussi aux enfants, comme tu l'as été toi, mm -hmm. euh, de découvrir les métiers à ce moment-là. Et justement, sur cette représentativité euh, sur l'ensemble des, des métiers, que ce soit sur le, le, voilà, différentes minorités on en est où selon toi bah, les chiffres parlent hein, ouais. donc, euh, la, la, en au plus, de même donc pas... ah, au-delà de l'écran ouais. sur la chaîne de production ouais. sur la chaîne de production ah bah en fait les deux sont liés c'est-à-dire que si en bout de course ces chiffres sont mauvais, c'est justement parce qu'en fait on donne pas la parole aux bonnes personnes pour équilibrer un petit peu le, le schéma. C'est-à-dire que la chaîne de production n'est pas représentative de la société et donc les gens racontent les histoires euh, dans lesquelles ils se représentent eux-mêmes. Donc euh, en fait c'est une illustration du fait que la chaîne de production aussi euh, c'est le problème. Les deux sont liés. Euh, donc on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Euh, là, j'ai pas donné les chiffres qui sont suivants parce que c'était déjà un petit peu un petit peu lourd en termes de, de data. Mais euh, si on rentre dans le détail de la représentation des minorités euh, et des femmes de, de, issues de, de la diversité, euh, alors là, on tombe dans les limbes. Euh, je crois qu'on est à 18% de, de, de femmes afro-américaines notamment à Hollywood. Euh, on est à 7% quand on parle de la communauté asiatique et on est encore inférieur sur les latinos qui sont pourtant ultra euh, Représentés dans la société américaine. Donc, et en France, ce pas beaucoup mieux. Donc, donc clairement, on n'y est, est pas. Mais si j'ai utilisé d'ailleurs ce poste, c'était aussi pour dire que le lien avec la toxicité de l'industrie, il, il est aussi là, en fait. C'est-à-dire ouais. que, en montrant des femmes à des positions de, de, de pouvoir, ben, on donne par exemple envie, à la possibilité, on offre la possibilité à des jeunes filles de se transposer et donc de dire tiens, moi, je vais faire pareil. Et avec une chaîne de représentation plus équilibrée, et ben finalement, c'est plus difficile d'avoir des comportements toxiques, c'est plus difficile d'avoir un déséquilibre des salaires, parce mmh. que j'ai fait d'autres posts sur ce sujet-là, mais c'est un vaste sujet aussi, notamment dans notre industrie. En fait, tout est lié. Quand tu vois le succès d'un Jean-Pascal Zadi et Lajli ou euh, la le projet de la gravité, la mmh. Stricklidow, est-ce que tu as l'impression que ça bouge un peu malgré tout C'est des choses qu'on euh, qu voyait moins avant. Est-ce que ça avance un peu euh, oui. Bien sûr, pas assez vite, ça va jamais assez vite. Mm -hmm. Est-ce que ça bouge un peu Oui, ça bouge un peu parce qu'il y a des gens qui incarnent et qui ont la, la, okay. la puissance, enfin, qui, qui ont la, la velléité d'incarner et qui, qui prennent ce rôle à cœur. Et, et en l'occurrence, l'age ou, ou, ou Cédric ou mm -hmm. des gens qu'on a qu'on a l'habitude d'accueillir d'ailleurs comme image, ouais. sont des gens qui prennent leur rôle très très à cœur, mais incarner, c'est pas, c'est pas le, le, bout du chemin, parce que si eux ont encore une mission, c'est justement que, que le déséquilibre, il est présent. Le projet de l'école courtrage, mais il est là, et c'est ça qui est si fort dans ce projet-là, c'est que c'est de donner l'opportunité à des gamins, sans condition de diplôme et sans condition financière, euh, de rentrer dans ce, dans cette grande mmh. famille du cinéma, qui était un terme qui était extrêmement suranné pendant, pendant très très longtemps, et qui en fait, euh, qui lui donne cette vraie dimension familiale. L'école court mais c'est vraiment ça. Pour les côtoyer, je pense qu'il y, y, y a une réalité de la démarche de, de Ladjley avec l'école qui, 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 qui est là. C'est que c'est vraiment, il ouvre, il ouvre une, une famille à ces gamins-là et il leur donne des opportunités que très, très peu de gens leur offrent. Donc, comme une image, euh, on a compris l'objectif. Que toi, tu t'y sens bien parce que tu mmh. peux euh, animer par ta mission, tu peux avoir un vrai impact et tu le. Et tu le ressens au quotidien, mmh. j'imagine. Concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve je, je pousse les portes de commune Image. Je rentre. Qu'est-ce qu'est-ce que je vois ben, commune Image, avant tout, c'est une communauté. C'est-à-dire qu'on a euh, on a un coworking en fait. Mmh. C'est une activité commerciale. On loue mmh. des locaux à exclusivement des gens qui travaillent dans le milieu du cinéma. C'est-à-dire qu'on a une trentaine de structures à peu près. Ça fait 150 personnes. En moyenne, qui travaillent sur tous les métiers du cinéma. Donc, tu as des auteurs, des réals, des prods, des distributeurs, des techniciens. Tu des agents artistiques, des, des attachés de presse spécialisés. Enfin, voilà, je... une myriade de, de, de gens et qui travaillent ensemble, mais pas seulement, mais qui partagent ce lieu. Et déjà, ça a un sens. Ensuite, on a tout un parc de post-production puisque la post-production, donc les studios, on a sept studios de post-prod et une grande salle de projection qui a aussi un espace dans lequel on fait du mix et de l'étalot qui sont des espaces en fait euh, qui nous lient nous vraiment à la dimension créative c'est-à-dire que c'est des lieux déjà qu'on commercialise aussi en, en externe donc il y a plein de films que tu as vu récemment qui sont passés par là notamment des films de l'âge d'ailleurs qu'ont été post-produits à commune image et qui sont aussi des espaces sur lesquels on se repose pour, euh, pour mettre en place ce que nous on appelle le soutien à l'émergence, c'est-à-dire qu'on fait de la gratuité sur ces espaces-là. C'est parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur post-produire et qui payent pour ces studios que nous on peut financer, entre guillemets, mettre gratuitement ces espaces à disposition de jeunes créateurs euh, émergents. Des jeunes créateurs qu'on va aller chercher soit en dotant des festivals un petit peu partout en France. Par exemple, on est partenaire du FID Marseille, euh, on est partenaire du Festival de Clermont-Ferrand, de la résidence du cours au long de Clermont-Ferrand, on est partenaire du Festival Ciné-Banlieue, donc on va accompagner ces gens-là comme ça. Ou alors, on est partenaire de l'école courtrage Mét, par exemple. Donc on accueille tout le module et un certain nombre de films qui sont, qui sont créés à l'école courtrage Mét. Et puis on a aussi tout plein de films qui m'arrivent. Moi, j'ai toujours à avoir 3-4 films qui m'arrivent dans ma boîte mail tous les, toutes les semaines. Tu et, euh, et donc voilà, donc tu rentres à Comme une image, tu as ça. Et puis euh, tu as donc cette grande salle de projection dans, on, dans laquelle on a on accueille ben, plein plein d'actions à destination des 15-25 principalement donc tout ce qui est diffusion gratuite de films avec échange avec euh, les artistes on a des ateliers on a des masterclass on avait fait une masterclass avec euh, Kian Kojandi par exemple qui parlait de bref et qui racontait toute son histoire et son parcours euh, et puis on a toute une dimension atelier un peu plus concret on fait des ateliers de découverte genre de la cascade par exemple ouais, on a un atelier ouais. de la cascade là qui arri... on, on le reproduit d'ailleurs l'atelier cascade euh, à la fin du mois Génial. Ouais. Comment on peut y participer donc, Nous, les jeunes, la, la, les jeunes qu'on accompagne sont principalement des jeunes euh, qui sont issus euh, des établissements médico-sociaux de groupe SOS. Donc, euh, groupe SOS, qui est donc le groupe auquel appartient, appartient comme une image, on, on en a parlé, qui lutte contre toutes les formes d'exclusion et qui a un peu plus de 600 établissements médico-sociaux, pas exclusivement sur les questions qui sont liées à la jeunesse, mais donc c'est souvent des centres de protection judiciaire de la jeunesse, euh, des gamins qui sont sous, euh, qui dépendent de l'assistance sociale, etc. Donc, ça, c'est toute la, toute la démarche. Elle avait été initiée à, pour, pour, ce, pour cette cible-là. Et puis, on a développé aussi un projet qui est plus ouvert au grand public du territoire, qui s'appelle Séance du Turfu, qui est une démarche qu'on a développée à la sortie du Covid. Où on s'est dit, on va créer nous-mêmes une communauté de jeunes autour de Commune Image, un petit peu à l'instar de ce que fait Mais, en fait. Donc, nous aussi, on va créer notre communauté de jeunes et on a été chercher par le biais des réseaux sociaux. Et donc, on a fait un appel à candidature. Tu viens de Seine-Saint-Denis, as entre 1000 et 5000 abonnés sur les réseaux. Ce qu'on appelle aujourd'hui, en fait, de la nano-influence. Tu es passionné de cinéma et, euh, bah, nous, on te propose de t'offrir une programmation premium tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'ils ont des avant-premières tout au long de l'année euh, en échange de la mise en avant des films que tu vas voir ou des des, des euh, comment dire des créations que tu vas voir parce que ça s'est élargi on n'est pas resté que sur le cinéma. Et donc aujourd'hui on a un peu plus de 50 jeunes euh, moitié filles moitié garçons, de 50 50 euh, qui vont <coughs> qui vont aller euh, voir donc des avant-premières, on est en partenariat avec Allociné. Donc ils ont une avant-première avec rencontre avec des équipes de films toutes les semaines. On est en partenariat avec euh, Sony Music, ils vont à des concerts. Ils étaient voir Harry Styles, là juste avant l'été, ils étaient en carré or, ils étaient ravis et puis on a un partenariat avec le théâtre Mogador aussi donc ils vont voir toutes les créations du théâtre Mogador et l'idée pour nous euh, pour ces jeunes-là donc euh, qui ont juste c'est un appel à candidature encore une fois qui est disponible sur le site qui est ouvert toute l'année donc euh, vraiment là si vous nous écoutez et que vous faites partie vous avez entre 15 et 25 ans et que vous venez de Saint-Sernin n'hésitez pas à vous inscrire euh, cette démarche-là elle, euh, elle fonctionne très bien parce que nous l'action c'est vraiment de se dire on est dans une démarche de pérennité euh, au lieu de nous la jouer comme ces marques qui viennent, euh, je ne vais pas citer des marques de sport qui viennent euh, créer des, des stades de, de foot et éphémères en bas des tours pour prendre trois belles photos oui. et partir le lendemain et plus rien offrir aux gamins. Nous, ouais. on est sur une démarche où on leur dit euh, voilà tout au long de l'année, hein, on vous laisse pas tomber, on vous prend par la main. Et d'ailleurs, même si vous avez des questions de professionnalisation, euh, genre vous voulez rencontrer tel 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 tel, tel ou tel, euh, on se débrouille toujours pour, leur, euh, pour le faire. On est vraiment dans une démarche d'accompagnement et de pérennité. Et ça, ça change. En fait. Vous accompagnez des films aussi à boucler, à, pour boucler leur budget, mm -hmm. faire de la prod. Donc, euh, que il je sais pas c'est quoi les derniers films que vous avez accompagnés là pour pour qu'ils réussissent à boucler leur projet ben Là, en fait, nous, alors je, je précise quand même que donc, ah. on n'accompagne pas financièrement, on n'a pas de fonds de, euh, qui, qui sont dédiés. On accompagne en ce qu'on appelle en apport en industrie. Donc, mmh. c'est donc cette fameuse mise en disposition d'espace dont je te parlais. Parce qu'effectivement, c'est ce qui arrive en queue de budget, euh, la post prod, et que c'est le moment où on intervient. Euh, bah, là, on a euh, <coughs> on a un film qui est euh, mais je peux en fait je peux pas encore annoncer ah. parce que c'est en cours de voilà de deal. Mais on a un long métrage qu'on va accompagné. On avait accompagné à l'époque le film de Lucie Borleteau, « à mon seul mon seul désir. On avait euh, on a plusieurs films qui nous arrivent de court trajet, mais qu'on accompagne euh, aussi. Il y a plusieurs projets. Tant qu'ils sont pas clôturés et signés, on n'a pas le droit de communiquer encore dessus. Mais je peux te dire ce qu'on a accompagné l'année dernière. Voilà. On avait accompagné un film qui s'appelle Tropique de la violence de Manuel Shapira, qui était le premier film qui était tourné exclusivement à Mayotte avec un casting sauvage de jeunes issus des bidonvilles. Et on avait fait... Une diffusion spécifique à Mayotte pour les jeunes des établissements médico-sociaux de SOS à Mayotte, ce qui pour la plupart était la première fois qu'ils allaient au cinéma, puisqu'il y a une seule salle de cinéma à Mayotte. Et donc on avait loué pour l'occasion. Voilà, donc c'était un, un bel événement. C'est le type de projet qu'on aime accompagner en fait. C'est des projets qui ont un sens, soit sur le fond, soit sur la fin. Je reviens à ta mission, à ce que tu voulais faire. Euh, du coup, là tu te retrouves à, comme une image, avoir un impact sur tous les niveaux un impact sur la création et les représentations un impact sur le terrain aussi. Mm -hmm. Est-ce que tu as, euh, tu vois, as des flux entrants, descendants de, euh, tu vois, avec, avec les, jeunes ou avec d'autres publics Est-ce que tu es euh, satisfaite Est-ce que ça te va Je sais que tu vas aller plus loin, etc. Mais est-ce que tu es à ta place Oui, bah, en fait, c'est le syndrome de Slumdog millionnaire, en fait. Tu sais, c'est que je ne sais pas si as vu ce film de, de David. Qui est en fait euh, une analogie du fait que d'être au bon endroit au bon moment et qu'à un moment donné tu sais, cet alignement de planète qui fait que en fait tu te, tu te sens tu te sens effectivement à ta place. Mais c'est jamais quelque chose d'acté, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Ça, voilà, il y a, y a des moments de, de fulgurance comme ça où tu dis waouh c'est génial là enfin je fais quelque chose, mais voilà c'est quelque chose qu'il faut entretenir et je pense que j'aurai toujours des combats dans cette dimension-là. En revanche, ce que j'ai identifié vraiment c'est la, la question de de l'incarnation, c'est ça qui permet d'être aligné. C'est de dire, euh, on parlait des comédiens tout à l'heure, mais c'est de dire, je, je veux être ce, ce porte-drapeau là, je veux porter ce message là, je veux pour les autres. Et là, ça, ça commence à faire du sens en fait. On rentre dans quelque chose qui est qui est plus intéressant pour toi, pour toi, pour tes enfants, pour pour la génération d'après, etc. Donc euh... ouais, là pour le moment, il y a des moments où j'ai l'impression d'être à ma place, puis il y a des moments où je me dis, oh là là, j'y arriverai jamais. <laughs> je Voulais pas prendre la suite là, les jeunes, parce que moi je <laughs> Je fatigue. Je vais avoir 40 ans là. C'est fini. <laughs> c'est jamais, jamais un fleuve tranquille. Mais c'est un fleuve que tu parcours, euh, voilà, avec euh, avec plaisir où tu y sens en tout cas un peu plus euh, déjà en contrôle de ta barque peut-être aussi. Et, euh, ouais, je pense qu'il y a une euh, forme de contrôle. Il euh, une forme de contrôle. Mais tu sais, enfin, on n'en a pas parlé là, mais c'est vrai que moi, la, la prise de conscience, elle était aussi liée au fait que euh, à un moment donné, j'ai cru moi-même reproduire des comportements toxiques et j'ai dû le faire aussi. Et donc là, être dans cette, cette incarnation dont je parle, c'est une gymnastique de tous les jours, c'est une gymnastique quotidienne de te remettre en question et de dire Attends, est-ce que là j'ai fait ce qu'il fallait Est-ce que. Voilà, tu t'obliges, tu, tu, mmh. tu deviens obligé de, 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 du combat que tu portes. Et, et donc c'est ça qui est vertueux. Mais en fait, c'est jamais fini. <laughs> ouais, c'est ça un ça contrôle sur soi aussi. Ouais. Et là, dans, 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 tu, tu prends beaucoup la parole, hein, pas mal de, de podcasts mmh. et, et, euh, et d'émissions XY. Il reviendra d'ailleurs sur l'actualité, mmh. comme une image. Euh, mais tu prends aussi beaucoup la parole sur les réseaux sociaux, mmh. et notamment sur LinkedIn. Tu as dit, ah, mais sur LinkedIn, la culture, bah, elle n'est pas tellement représentée. Euh, j'ai peut-être une voix à porter là-dessus, euh, tu parles de ciné, bien sûr, de sororité, de, des femmes dans l'industrie. C'est une sorte de mission que tu t'es donnée aussi. C'est complètement une mission. Mmh. C'est complètement une mission. Après, c'est ce, j'ai trouvé cette, ce support-là pour le pour le faire parce que ça, ça s'y prête bien. Et qu'effectivement, euh, c'est un espace où il n'y a pas beaucoup de prise de parole sur la culture, sur le cinéma, et notamment pas beaucoup de prise de parole qui sont euh, liées au fait qu'on qu 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 ouvre en fait ces informations. Ce que je te disais tout à l'heure, on donne le, on, on donne les codes à tous pour comprendre comment ça fonctionne. Il y a, il y a un côté un peu, euh, c'est pas sorcier tu vois, du cinéma, qui est assez intéressant. Et du coup, la démarche sur, ce, sur, sur, sur les réseaux, c'est à la fois effectivement de mettre en avant des personnalités, notamment féminines, parce qu'on en revient toujours à cette question de, de l'incarnation, c'est comment... On remet, en, on remet en lumière toutes ces personnalités qui ont fait des choses formidables et qui ont été mises de côté parce qu'en fait il y en a toujours eu. C'est pas quelque chose de, de nouveau. cest qu'il y a des femmes dans l'industrie du cinéma depuis toujours qui font et partout dans le monde qui font des choses formidables. Donc ça, ça permet de pousser un petit peu de, 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 de voilà de, de ce caractère inspirant qui permet de faire cet appel d'air et de donner ouais. envie à des gens de, de, de tenter l'expérience aussi. Il y a toute la dimension digest. Qui est aussi assez intéressante, c'est-à-dire ce que je disais, de donner les codes, c'est-à-dire reprendre les gros faits d'actualité. Euh, là, je, je, par exemple, euh, j'ai prévu jeudi un poste sur le rachat de, 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 de CIA par, euh, par François-Henri Pinault, pourquoi on parle de ça, et d'expliquer en fait, de quoi on parle quand on parle de, de, de ces faits d'actualité-là. Euh, ça, c'est aussi assez intéressant, parce que c'est ça qui permet aussi l'appel d'air. Donc voilà, il y a toute cette dimension-là dans. dans, dans dans ce que j'essaie de mettre en avant. Et puis, il y a des petits côtés un peu coup de gueule aussi, pour, pour montrer ce que c'est qu'un comportement toxique et d'où il naît, et, et de raconter voilà, toutes ces petites agressions ordinaires, parce qu'en parce que, parce qu en fait, prendre la parole, c'est reprendre aussi un petit peu le contrôle. Et que les femmes ont du mal à prendre la parole. Moi-même, j'étais pas à l'aise du tout au début. Et puis, en fait, c'est encore une fois une question de. C'est une hygiène de vie. C'est encore une fois ce, ce, la démarche dont je te parlais avant. C'est quelque chose un peu de, de quotidien qui fait qu'on qu petit à petit on change les mentalités. On vient sur l'actu comme une image. Ouais. Au-delà de la programmation, là je crois que vous ouvrez un, vous ouvrez un nouvel espace d'accueil. Ouais, ouais on ouvre un restaurant. On nourrit le corps et l'esprit. <laughs> J'ai fait un, un article. J'avais répondu à un, à un journaliste pour MediaQuest, qui est un journal spécialisé en post-production notamment. Et, euh, et ils ont titré ça, j'ai vu Nourrir le corps et l'esprit. C'est exactement ça, nourrir le corps et l'esprit. Oui, on a décidé d'internaliser notre offre de restauration. On a un très beau restaurant à commune image au rez-de-chaussée qui est ouvert à tous, qui sera donc ouvert du lundi au vendredi le midi et du mercredi au samedi euh, le soir, qui est un restaurant en fait qui vient assez naturellement compléter à la fois le modèle économique, puisque bon, les gens qui, euh, qui pilotent des paquebots euh, comme le nôtre savent qu'en en fait, c'est euh, au bar et, euh, et dans l'assiette qu'on permet d'équilibrer un certain nombre de modèles économiques euh, artistiques un peu, un peu fragiles. Les gens mangent et les gens boivent, que voulez-vous. Mais c'est aussi, euh, dans la démarche de créer un lieu de rencontre, un lieu de facilitation qui était logique, en fait. Il fallait qu'on ait un lieu qui nous appartienne vraiment, où on puisse créer cette rencontre au-delà de la salle de projection, où as une dimension, tu es un peu agora, un peu descendante, où t'as quelqu'un qui échange, mais 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 pour créer euh, pour créer le dialogue vraiment, tu as ce côté informel du, du restaurant. En plus, je disais, on a un look and feel un peu maison de famille. Tu as l'impression d'aller chez Mémé pour parler euh, euh, avec un réalisateur euh, du moment ou, euh, ou une réalisatrice du moment. Il y a quelque chose un peu décalé. Ça en fait un lieu, ça en fait un lieu assez unique. Et on y mange très bien. Et en plus, on a une programmation artistique euh, spécifique au restaurant, puisqu'on euh, va y faire du live, on est prévu de la battle de rap, du voguing, enfin, ça va être génial. Voilà, un trop endroit bien, super. Trop bien, allez-y, moi bon, je vais y aller en tout cas. C'est quoi le projet pour Comme une image J'ai cru voir une, euh, une nouvelle, euh, un nouveau format sériel là en ça, ouais. c'est une espèce de, de, de critique à plusieurs voix d'une un, sortie cinéma Ben bah ouais, complètement. En fait, l'idée c'était de, de permettre. Euh, la démarche des, des, des séances du Turfus c'était aussi de, de un outil d'empowerment pour ces jeunes-là, c'est-à-dire de reprendre conscience que ben leur image est un, à un poids et que ça leur donne la parole. Et donc on s'est dit on va aller jusqu'au bout de la démarche et on va créer cette cette chaîne YouTube où on va on va créer ce micro-programme où, en fait, on emmène une personnalité du cinéma et un jeune voir un film euh, aux 9h des Halles, donc la première séance de France. Et après, on débrief et euh, on voit s'ils sont d'accord pas d'accord. Et les échanges sont en général euh, assez riches et assez drôles. Oui, je, je, je recommande. J'ai ouais. passé un très bon moment et j'ai l'habitude de lire pas mal de critiques avant même même sans aller voir le film tu vois mais euh, j'ai vraiment une approche aussi complète déjà vivante mmh. et puis non c'est c'est marrant et puis tu, tu tu retires avec les différentes voix les informations dont tu as besoin pour savoir si tu vas y aller si tu vas pas y aller si tu vas le regarder en streaming après bah ouais non c'est mal le streaming pas le regarder en streaming allez en salle pour le voir Oui, bien, <laughs> sûr, bien sûr non mais deux ans après sa sortie j'entends ouais Oui, bien sûr bien sûr la chronologie des médias qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet euh, est-ce qu'il y a des actus sur lesquelles tu euh... Que sur lesquelles tu veux revenir sur comme une image sur toi ou c'est bon non écoute-moi je veux, je veux continuer euh, je vais continuer à prendre la parole parce que c'est, il paraît que c'est quand on, a... qu on est le moins à l'aise pour le faire qu'en fait, euh, on est le plus dans le vrai. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est quelque chose que je vais... je vais continuer à apporter. Je sais pas. Mais justement. voilà qui est rassurant, les paroles. Ouais. Des personnes <laughs> qui s'interrogent. Est-ce que j'ai été bon Est-ce que j'ai dit quelque chose de bien Oui, ouais. oui. Donc, c'est bon vrai. signe. Voilà. Ok. Bon, alors, je ne peux pas ne pas te poser la question. Toi, en plus, une praticienne expérimentée, est-ce que tu as des recos euh, ciné-série ah, Est-ce que j'ai des recos ciné-série Qu'est-ce que je regarde, moi, en ce moment Oh là là, attends, tu me prends de court. Bon, si vous n'avez pas vu le Barbie Oppenheimer, mais bon, je pense que ça, c'est pas... pas... Attends, tu me prends de court. Il faut que je réfléchisse. Je suis fatiguée. Prends ton temps. Il y avait le euh, Abyss de France Télé qui était vachement bien. Il faut que je te retrouve les titres. Sinon, oui, il faut aller voir Anatomie d'une chute. C'est un film absolument extraordinaire. Euh, voilà. Et, euh, et Justine Trier a été très maltraitée. <laughs> mais il faut aller voir Anatomie d'une chute, ça c'est vrai. En tant que personne, je vous le dis, c'est un film formidable. Ok, bah écoute c'est pas mal. Ouais. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Non je pense pas. Hein Moi ça me paraît euh, ça me paraît bien.